Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Voilà. Hop là. Ça doit être bon. Je veux bien un retour dans le chat pour me confirmer qu'on m'entend bien. Parfait, parfait. Hop là. Et du coup. Oui. Donc du coup ce soir, je vais vous parler de un peu plus technique, de je vais revenir sur un gadget qu'on a présenté la semaine dernière, le gadget qui fait les liens vers OpenStreetMap. Je vais montrer un peu le code et expliquer comment fonctionne le code et comment je me suis inspiré de ce code pour en faire un code similaire mais pour autre chose, en l'occurrence pour lier vers l'Excel, donc des éléments, enfin des entités dans Wikidata. Qui font le lien depuis le Wiktionnaire. Hein? Il y a du bruit chez mes voisins, j'espère qu'on n'entend pas trop. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat, en particulier ce soir où ça sera un peu technique. Voilà, le code en l'occurrence sera en JavaScript pour ceux à qui ça parle. Moi personnellement, JavaScript, c'est pas forcément mon langage de codage préféré. Mais j'ai réussi à quand même le réapproprier par mimétisme. Je suis pas un spécialiste, un développeur, mais je comprends le code et je peux vous montrer du coup comment ça marche et comment je moi-même je l'ai repris. J'espère que ça va vous intéresser du coup. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont arrivés dans le chat. Et sans plus attendre, je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne. Hop là, donc je passe sur mon écran. Là. Donc Wikidata, vous connaissez. Comme je disais la semaine dernière, il y a des gadgets qui sont dans les gadgets dans les préférences. On va peut-être agrandir un peu parce que surtout le code, vous aurez besoin de voir mieux. Et il y a des gadgets qui sont stockés dans notre espace personnel qu'on appelle le common.js. On peut stocker, appeler le code d'autres personnes en fait. Alors, en l'occurrence, cette page sert juste à dire récupère le code de cette personne, ce code-là, cette personne, ce code-là, cette personne, ce code-là, cette personne, etc. Et en l'occurrence, c'est ce bout de code-là qu'on va voir ce soir. Donc là, c'est juste sur ma page, je dis j'appelle le code de quelqu'un d'autre, mais je peux aller sur la page de la personne elle-même et voir le code de cette personne. Et donc voilà le fameux code en question. Qui est écrit en JavaScript, qui a une coloration syntaxique qui aide un peu à lire qu'est-ce qui est quoi. Vous voyez que les mots-clés sont en vert, et que les chaînes de caractères, hein, par exemple, sont en rouge. Il n'y a pas forcément beaucoup plus ici. Il y a quelques symboles et chiffres qui sont ou égales, là par exemple, qui sont en gris. Mais voilà. Je ne vais pas forcément expliquer tous les détails de tout ce que fait tout ce code. La partie importante, en fait, elle est ici. C'est presque la seule partie importante d'ailleurs du code. Tout le reste, c'est la décoration de comment je récupère, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je mets où, en fait, globalement. Mais la partie là où la magie se passe, c'est ici. Donc du coup, comme je disais, ce que fait ce code, d'ailleurs, il pourrait y avoir un commentaire en première ligne pour indiquer que fait ce code, c'est, mais comme son nom le dit, OSM. C'est d'aller chercher un des liens vers OSM, de faire des liens vers OSM, donc d'aller chercher des éléments sur OSM et de les relier sur Wikidata. Donc si on va sur un élément au hasard, en l'occurrence pas au hasard, je vais prendre Clermont-Ferrand, la commune du Puy-de-Dôme. Ce que fait ce gadget, c'est d'ajouter ici à gauche lien OpenStreetMap Element. Donc si je clique, il me lie vers le nœud correspondant dans OpenStreetMap. En l'occurrence, Clermont-Ferrand, c'est bien un point, c'est bien le lien correspondant à Clermont-Ferrand. Le truc, c'est que, comme je le disais la semaine dernière, on ne peut pas faire de lien directement de Wikipédia vers OSM, parce que les éléments sur OSM, le fameux chiffre ici à la fin de l'URL, tout le reste, ça sert juste à déterminer le zoom.
cette partie-là n'est pas forcément pérenne. Elle l'est globalement, mais de temps en temps, le chiffre peut changer, bouger et être modifié. Donc du coup, on est obligé de faire le lien, de stocker le lien en dur dans le sens inverse. Donc quand on est sur un élément, en l'occurrence là on est sur un nœud, sur OpenStreetMap, il y a trois types d'éléments. Il y a des nœuds, des chemins et des relations. Node, way and relation en anglais. Et bien dans ces éléments, on peut mettre un lien vers Wikidata. Si on descend, on le voit ici. Wikidata Q42168. Et on se retrouvera dans une situation un peu similaire avec les Lexem tout à l'heure. On ne peut pas faire les liens dans un sens, on les fait dans l'autre. Et du coup, c'est un code, c'est un gadget qui va générer ces liens dans le sens inverse. Automatiquement, du coup. Sans avoir besoin de les stocker en dur, il va les faire apparaître. Ce qu'utilise du coup la magie de ce code-là, comme je disais, c'est d'utiliser cet outil-là qu'on appelle Overpass. Overpass Turbo, certains l'appellent. Si on va à l'URL, on voit que ça ressemble à ça. Overpass Turbo. Et on lui donne un bout de code et on lui dit, donne-moi. En l'occurrence, tout ce qu'il y a Wikidata correspondant à cet élément et récupère l'info. Donc là, le code, en fait, on voit que l'URL, elle est coupée ici et ici d'ailleurs aussi en trois petits morceaux où en fait on va passer ici une variable qui est le fameux numéro de l'élément, le fameux numéro Q, etc. qu'on va rechercher et on va le mettre dans cette requête. Donc là en fait si je prends cette URL là, ça ne marche pas parce que c'est pas une vraie URL, il faut que je complète à la main les petits bouts. Donc là d'ailleurs je sais même pas ce qu'il va faire, il va essayer de, non là à mon avis il va patiner dans la semoule et du coup faut que j'aille dans la partie ici Q, alors du coup j'ai dit Clermont-Ferrand c'était combien Q 42168. Et en fait, toutes les parties où je vois item, donc on l'a vu qu'il y avait trois fois ici. Et donc ici. Alors, faut bien que je colle au bon endroit. Ici. Ici, une deuxième fois. Mais en fait, là, du coup, je le remplace à la main avec une valeur fixe. Mais ce que fait le gadget, c'est à chaque fois sur la page, contextuellement, il va chercher le bon élément de la page où on se trouve. Donc ça, normalement, si je fais bien, ça doit marcher. Le temps que ça mouline, je vois qu'on a une question de H.Charazin. Overpass, c'est pour OSM ou pour d'autres outils aussi? Non, justement, Overpass, c'est que pour OSM. C'est un peu l'équivalent d'ailleurs de Query Sparkle, enfin du Query Service en Sparkle pour Wikidata, mais pour OSM. C'est justement ce que je vais montrer dans la deuxième partie, c'est que je vais utiliser un autre outil pour un autre système. Mais le principe du code sera le même. Et donc là, voilà. Ça nous renvoie un résultat un peu brut en JSON. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous renvoie plusieurs choses d'ailleurs. Ah, c'est marrant. Mais il nous renvoie le premier qui doit être ce node-là. 26 000 millions, etc. Et si je regarde ici, voilà, là on a le même chiffre. D'ailleurs, au passage, voilà, on voit qu'il en récupère. Combien d'éléments il récupère? C'est étrange qu'il y en ait autant. 30, 40, 60. Oh là, mon Dieu. Autant que ça. Ah oui, il en récupère des milliers. 1178. Juste pour rire, on va prendre le deuxième là, voir ce que c'est. Relation 1086. Et ben, on va mettre ça dans OpenStreetMap.org, voir ce que c'est. Map.org slash. Donc du coup, j'ai dit que c'était une relation et ce chiffre-là. Relation. Ah, c'est Clermont-Ferrand. Ah, attends, j'ai pas besoin de ça, par exemple. Hop là. Oh. Non, les nouvelles notes. Bon, tant pis. Vous imaginez qu'il n'y a pas de. Les notes qui apparaissent. Ça, c'est parce que c'est moi qui fais de l'OpenStreetMap par ailleurs. Zoom, please. Sur quelle page? Sur cette page-là? Voilà. Ouais, donc le gadget est un peu brut, il prend que le premier, alors qu'effectivement le deuxième, par exemple, tout Clermont-Ferrand, ça pourrait être plus intéressant. Mais bon, après, les gadgets sont pas toujours. Voilà. C'est marrant d'ailleurs qu'il y en ait deux. Faudrait que je regarde exactement pourquoi c'est comme ça dans OSM, mais peu importe.
Et donc voilà. À chaque fois qu'on se trouve sur une page Wikipédia, Wikidata, par exemple, désolé, donc il va récupérer le numéro de la page où on se trouve. Donc là, on était sur Clermont-Ferrand tout à l'heure, ici. Donc il va reprendre ici, là, le Q4268, l'injecter dans cette URL, ce qui va faire ce que j'ai fait à la main ici, nous donner ces résultats-là. Il récupère le premier, et il reconstruit une URL avec node et le numéro pour me renvoyer du coup faire ce lien-là. Node et numéro, vous voyez là dans le titre, node et numéro. On revoit le numéro ici d'ailleurs. Donc voilà, ça ici, il récupère, voilà, il l'insère dans une URL. Et après, il fait plusieurs choses, notamment, bah, c'est là que voilà, si il y a un résultat 0, il prend le premier. Un Sarrazin qui nous demande, ça ne marche que sur un élément géographique, je présume. Bah oui, OpenStreetMap, alors, cartographique, en tout cas, pas forcément géographique. Mais ça peut être une rue, ça peut être un pays, ça peut être énormément de choses en fait. Si je prends, on va pas prendre la France, on va prendre la Suisse pour changer. Mais la Suisse, ça va marcher aussi. Hein. Ici, et voilà, il me génère le lien, s'il veut bien, vers OpenStreetMap. Est-ce que là, ça marche mieux que Clermont-Ferrand d'ailleurs? Ça marche, il nous le met là. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un truc qui s'appelle Mittelpunkt der Schweiz, le milieu de la Suisse, littéralement. Donc, il nous renvoie bien vers le nœud vers la Suisse. Ok. Bon, après, il faut connaître OpenStreetMap et en avoir le besoin, mais ça marche très bien. Et ça marche pour rue de Paris à Rennes, par exemple. Je ne sais pas si ça marche sur celui-là. On va voir, on va tester quelques-uns. Est-ce qu'il apparaît? S'il apparaît pas, c'est qu'il n'a pas trouvé. C'est que ça existe peut-être pas. Ça n'existe pas toujours. Il faut que le lien soit explicite. Enfin, le lien. L'URL, l'identifiant de Wikidata soit explicitement stocké dans OpenStreetMap. Mais s'il l'est, autant l'utiliser et pas refaire deux fois la même chose. En gros, c'est ça l'idée. Voilà, donc ça c'est pour dire récupérer le premier. Varlink élément, c'est ça qui fait un vrai lien. D'ailleurs, on voit que c'est une balise Ahref. Pour ceux qui connaissent un peu de HTML, A, ça va générer un lien. Ahref, ça va faire le lien vers OpenStreetMap.org. Et type ID, il va justement ici récupérer. Bah voilà, ça s'appelle littéralement type et ID. Donc c'est ça, on lui envoie un bout de code, enfin une variable, la variable Wikidata. Il va dans un service externe récupérer des infos qui va reconcaténer, remettre ensemble pour faire un lien. Et là, le lien, on l'appelle du coup OpenStreetMap Element. Et du coup, d'ailleurs, il l'appelle comme ça dans toutes les langues. Ça pourrait être intéressant ici, là, de mettre une variable et selon la langue, de mettre dans la même variable. Et enfin, ce que fait le bout de ligne 13-14, là, c'est de dire, quand tu es sur une page, alors la page rue de Paris ne marche pas, on va retourner sur la Suisse, quand on est sur une page, le remettre ici. OpenStreetMap Element. C'est ça que veut dire cette ligne-là, getElement, ptdd. Ça, c'est le nom interne comment s'appelle? Dans l'interface MediaWiki, pour le coup, en bas de la colonne de gauche. C'est pour ça que là, j'ai plusieurs gadgets d'ailleurs, et je donne pas d'ordre, ils apparaissent pas toujours dans le même ordre parce qu'ils essayent de se générer au fur et à mesure. Donc, en fonction de la rapidité, du code et de tout un tas de trucs mystérieux comme. Les vitesses d'exécution ou autres de HTML, parfois ils sont pas forcément dans le même ordre parce qu'on demande juste à les mettre à gauche sans forcément préciser. Donc voilà, on lui envoie, on part de. Voilà, la première ligne d'ailleurs, j'ai pas dit item, qui dit que sur une page, page name, on récupère l'identifiant, on l'insère dans une requête overpass, mais on pourrait mettre n'importe quel autre service de requête. On verra tout à l'heure que j'ai utilisé le service Parcl d'ailleurs. On récupère le premier résultat, on en fait un lien, on affiche le lien. Hop là, est-ce qu'on peut avoir l'URL du gadget? Bien sûr, on peut avoir l'URL du gadget. Et donc voilà, l'URL du gadget ici. Alors là, Abe 98, Albin de son prénom, a fait un code assez simple. Il y a des gadgets qui sont beaucoup plus longs.
Mais moi-même, déjà en JavaScript, je suis vite limité. Et puis pour ce soir, j'avais pas envie de montrer quelque chose de trop compliqué. Mais c'est quand même quelque chose d'assez magique de mettre un lien là vers OSM, je trouve, avec juste 15 lignes de code. Et du coup, ça, c'est assez pratique. Pour ceux qui disent, ah, faudrait stocker le lien OpenStreetMap directement en bas, ici, ajouter une déclaration. Là, il y a trop de trucs dans la Suisse. Ici, il y en a qui voudraient tout le temps ajouter OpenStreetMap. On a une propriété OpenStreetMap d'ailleurs. Voilà, on a plein de propriétés OpenStreetMap d'ailleurs. La plupart qui sont pas intéressantes d'ailleurs. Celle qui est intéressante ici, c'est relations. Mais stocker dans ce sens-là, alors qu'avec 15 lignes de code, je peux le récupérer dans l'autre sens, ça prouve bien le peu d'intérêt de la duplication, de la redondance de stocker une information en dur. C'est quelque chose qui m'horripile un peu toujours dans Wikidata. Les gens qui perdent du temps quelque part à mettre plusieurs fois un peu la même information, alors qu'avec 15 lignes de code, à la volée, en instantané, je peux générer le même résultat. Autant laisser faire un script le faire bien et ne le faire à la main que s'il y a vraiment besoin. Voilà, dans un monde où les humains et les robots vivent en paix, on laisse faire les robots les trucs automatiques et on laisse les humains faire les trucs réservé aux humains où on a besoin de l'intelligence humaine. Là, en l'occurrence, on pourrait débattre de l'intérêt parce qu'effectivement, il nous en renvoie des milliers. Est-ce qu'ils sont tous pertinents pour qui, pourquoi? Le script est un peu brut et récupère que le premier. Ça pourrait être intéressant de discuter et de dire, bah non, mais ce serait bien, en fait, c'est pas forcément le premier le plus intéressant. Là, du coup, ça, c'est un argument qui est valable, on pourra en discuter. Mais pour la plupart des cas, ce petit code fait globalement très bien le boulot. Donc voilà, ça c'est un code que j'ai utilisé pendant très longtemps, que j'utilise toujours d'ailleurs. Je l'ai ajouté il y a très longtemps, il marche très bien. Overpass Turbo, ça marche depuis longtemps et ça bouge pas. JavaScript, c'est pas un langage qui évolue trop. Pour l'instant, ça marche. Ça, éventuellement, parfois, ça bouge quand on change l'interface MediaWiki, mais en plus, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez robuste. Et il se trouve que plus tard, j'ai réfléchi à d'autres problèmes que je me suis rendu compte qui étaient similaires et je me suis dit, hey, mais je peux reprendre ce code en fait. Donc en l'occurrence, mon cas d'usage était sur Wiktionnaire. Parce que si vous ne le savez pas, du coup, il existe un site qui s'appelle le Wiktionnaire, qui stocke tout un tas d'informations lexicographiques. Par exemple, si je vais. Je prends toujours l'exemple de qui, chien, mais c'est pas grave. Chien en breton. Donc il y a une page ici vers, enfin qui décrit qui, la chaîne de caractères KI, de différentes façons, qui me dit que c'est un code ISO pour la langue du Kikuyu, que c'est un mot en français, soit d'argot, t'es qui toi, soit c'est une variante orthographique pour le qui, en arts martiaux, philosophie, tout ce qui est énergie, spiritualité en chinois, en ancien français. Qui sont, c'était écrit KI à l'époque, au lieu de QI maintenant. En anglais, bah, c'est la même chose que le qui chinois, voilà. Puis le qui, le chien en breton. Il doit y avoir d'autres choses derrière, peut-être, voilà, dans différentes langues, etc. etc. Voilà. Ça, c'est toujours intéressant. Et d'autre part, si vous ne savez pas, sur Wikidata, on a ce qu'on appelle les lexèmes. C'est-à-dire que c'est des entités qui décrivent pas un concept général, mais qui décrivent un mot. Donc on est sur quelque chose de finalement proche du Wiktionnaire. On est dans les deux cas sur des pages qui décrivent les mots. Et on est dans le même cas que avec OpenStreetMap tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire un lien automatiquement, puis il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre un lien automatiquement. Et donc là, si je fais une recherche avec L de point, pour dire que je cherche un lexème précisément et pas un autre élément, je peux chercher les mots qui correspondent à cette chaîne de caractères qui KI. Donc on retrouve bien, alors là c'est encore autre chose, le classificateur en chinois, mais on retrouve le mot en breton, et on retrouve des verbes en chinois encore, d'autres choses aussi diverses que variées d'ailleurs. Je sais pas si on retrouve, après il trouve des choses qui sont plus que KI. Faudrait peut-être que je le mette, je sais pas si je peux mettre en guillemets ici, ou s'il faut que je passe par une syntaxe. Ouais, si je mets en guillemets, ça m'aide pas beaucoup. Ça réduit un peu le nombre de résultats. Là, j'en ai plus que 12. Sans les guillemets, tout à l'heure, j'en avais 99. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et donc, je me dis, ça, c'est intéressant de faire le lien entre cette page, par exemple, ici, L69, le qui, le chien, et qui, ici.
Et dans le même cas que pour OpenStreetMap, je me suis dit, ça vaut pas forcément la peine de perdre du temps à coder en dur ce lien, parce qu'en fait, dans les deux cas, on fait une recherche avec la chaîne de caractères. Alors, j'ai pris qui, mais je peux prendre manger, par exemple, le verbe en français, s'il veut bien. Je sais pas pourquoi il ne me ramène pas directement. Voilà, il y a une page sur manger, et si je vais ici dans L2.manger, j'ai des informations différentes, hein, complémentaires, mais qui sont intéressantes. Donc manger, que ça soit un verbe en français, un nom en anglais et un nom en français. Le manger, j'ai mangé, le manger. Voilà. Et donc, de la même façon, je me suis dit, on peut mettre le lien à gauche. Alors là, évidemment, il a disparu. C'est l'effet des mots. Ah non, il est là. J'ai regardé trop vite. Je cherchais tout en bas alors qu'ils sont ici. Et je me dis plutôt que de... Voilà, en plus là, il n'y a que 3 cas, mais on a vu tout à l'heure avec qui qu'il pouvait y avoir beaucoup de mots. Des mots très courts, ils vont avoir beaucoup d'homographes, de mots qui s'écrivent de la même façon. Ou du coup, ça va pas être pertinent de restocker, enfin ça va être pas pertinent. Ça peut être fatigant surtout de restocker à la main tous les liens. Et là, on voit, j'ai un petit gadget qui les affiche, les 3 liens qui ont exactement la chaîne de caractères. Et donc du coup, je vais me servir de la chaîne de caractères comme identifiant. Et en fait, au lieu de faire une recherche comme ça, je vais faire une recherche avec querywikidata.org. Et où je vais faire, à plein, quelque chose d'assez simple en fait. Donne-moi tous les lexèmes, je vais l'appeler une variable lexème, qui ont un lemme, une entrée en fait. Qui est manger, je crois que j'ai le droit de faire juste ça. Non, pas comme ça, manger atfreux. Ouais. Qui ont donc le lemme. Et ensuite, il faut que je dise un filter la string du lemme est égal à manger. Quelque chose comme ça, normalement, doit me donner les 3 mêmes résultats. S'il veut. Voilà, ça me donne les liens. Donc voilà, si je peux le faire avec une requête Sparkle de 3 lignes, autant le faire avec la requête Sparkle de 3 lignes, plutôt que de le faire à la main. Et je me suis dit, bah ça, voilà, là, on a une URL où on peut obtenir le résultat, prendre ces résultats et les injecter directement. On peut faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour OpenStreetMap, finalement. Et voilà pour la logique et pour le code lui-même. Alors, du coup, il faut que j'aille dans le Wiktionnaire ici, que j'aille sur ma page ici, Pignon, page d'utilisateur, et que je rajoute comme tout à l'heure common.js parce que ça, c'est vrai pour quel que soit le site MediaWiki où on se trouve. Pourquoi il est chelou, c'est pas grave. Ou en fait, dans mon common.js, je dis, je récupère voilà, un petit code que j'ai créé, lien lex. Utilisateur lien lex. Je vais prendre tout le lien et puis vous le donnez dans le chat, comme ça. Hop là. Je vous le mets dans le chat. Donc là, le code est un peu plus long que ce qu'on a fait tout à l'heure parce que on a fait des adaptations. Notamment tout à l'heure le script d'Albin pour OSM récupérait que le premier et là ben, en fait c'est pas pertinent d'en afficher qu'un, il faut en afficher plusieurs, donc c'est là pour ça par exemple là ici on a une boucle pour prendre tous les résultats et à chaque fois qu'il trouve un résultat il l'ajoute à une liste interne qu'on a appelée non c'est même pas une liste, la liste est faite à la volée en fait mais on voilà on l'ajoute à peine à une... bah si il y a une liste là voilà je savais bien qu'il y avait une liste. Et donc on l'ajoute et on génère un lien, on a une balise A comme tout à l'heure, où il ajoute bah voilà l'ID et le lien à chaque fois avec ici il trouve les informations, il les concatène. C'est un peu plus compliqué que tout à l'heure, mais c'est la même chose. Puis il y a if timeless pour si on est sur l'interface timeless, parce qu'il y a plusieurs interfaces utilisées parfois sur le Wiktionnaire, donc il a fallu tenir en compte ça, c'est pour ça qu'il y a if else if
Voilà, il y a deux, trois façons de faire. Donc ça, c'est la partie pour afficher, créer le code. Et la partie au début, ici, on voit dans... Contrairement au code de tout à l'heure, on a fait attention de mettre des commentaires pour expliquer. Donc là, par exemple, il y a un gadget pour ajouter un ou plusieurs liens vers le ou les Lexem Wikidata sur une entrée du dictionnaire. Et c'est basé sur une requête Sparkle. On a une première ligne de code ici qui nous dit ne travaillez que si on est dans une page de l'espace principal. C'est pas la peine d'essayer d'activer le gadget si on est sur une page de discussion, une page de commentaire qui n'a rien à voir. C'est vraiment que sur les pages de contenu. Donc si on est dans une page de contenu, l'espace de contenu principal s'appelle 0 dans MediaWiki, dans tous les pages, que ce soit Wikidata, Wikipédia, Wiktionnaire d'ailleurs, ça c'est vrai tout le temps. Et j'ai mis une limite de 10 par défaut pour pas en récupérer trop quand même. Pas en récupérer qu'un seul, mais au-delà d'un certain nombre, ça n'a plus forcément de sens de tous les récupérer. On a ici une partie qui va jusque là, qui fait la requête. Alors du coup, là, vous reconnaissez un peu le code d'une requête Sparkle. Select distinct, donc la variable, Wikibase lemma. Je récupère la langue, mais je m'en sers pas. Ça, j'en aurais pas besoin. Je récupère la langue aussi ici, mais alors que je m'en sers pas pour l'instant. En tout cas, ça c'est dans une version future du gadget que je me servirai de ça peut-être, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Mais après, on retrouve la même chose, filter, regex. Ah tiens, j'ai fait un filter regex, alors que là dans l'exemple, naturellement, hop là, c'est pas là. Ici, j'ai fait un filter égal. Ce qui répond du coup à la question d'Acharazin que je vois dans le chat, c'est un strictement égal que tu obtiens avec ta requête Sparkle. Là, j'ai fait un strictement égal. Là, j'ai fait un code qui est un peu différent. J'ai fait un regex. Hein, je peux peut-être agrandir. Ça sera plus mieux pour vous. Je fais un filter regex. Et puis, du coup, en mettant au début de ma regex un point d'exclamation, accent circonflexe et en finissant par le signe dollar, c'est exactement. Mais si j'enlevais juste le dollar, là, ce serait tous ceux qui commencent pareil. Donc, tous les qui, par exemple. La loutre en breton, c'est Kidour, le chien d'eau, littéralement, chien haut. Et ça commence par qui. Donc si j'enlevais juste ce petit caractère-là dans mon code, sur la page qui du Wiktionnaire, il me mettrait un lien vers Kidour parce que ça commence par qui. Voilà. Et je l'ordonne là dans l'ordre des variables. Oui, bon, pour ordre alphabétique. J'ai pas même pas fait gaffe tout à l'heure, mais quand j'étais sur manger, ils étaient dans l'ordre. Manger. Donc, le temps que ça apparaisse. Alors du coup, ça, vu que ça fait une requête Sparkle, c'est un peu long parfois. C'est pour ça que je l'ai pas vu tout à l'heure. Maintenant, il devrait apparaître ici dans quelques secondes, sous vos yeux ébahis. Vais recharger la page, peut-être. Le code n'est pas totalement optimisé. C'est là que vous voyez que je suis pas un spécialiste aussi. Effet des mots. Si, voilà, ça met 2-3 secondes. Non, c'est pas ordonné par langue. Par quoi j'ordonne là? C'est l'occasion de débugger le code en même temps. Order by variable. Alors si je reprends ce code et que je le mets dans un sein. On va faire comme tout à l'heure, on va remplacer. Donc là, j'ai une variable, on va l'appeler L, on s'en fiche. L. L. Init, on va mettre 10. Et là, au lieu de mettre item, du coup, item dollar, on va mettre manger, en strictement. Hop là, comme ça marche. Kitom, chien chaud. C'est pas comme ça qu'on dit hot dog. Hein. Et on voit que la requête est un peu longue, il faudrait que j'optimise ce code. Je ne suis pas sûr de savoir comment pour l'instant, mais ok. Et effectivement, il me le trie dans cet ordre-là. Ah oui, parce que 3.07 vient avant 3.09. Ah oui, parce que oui, ça c'est Sparkle, c'est un problème connu. Il fait une ordonnance intrinsèque. Donc du coup, bah oui, 307 259 vient techniquement avant 309 en chaîne de caractères. C'est un peu dommage ce que j'ai fait. Il faudrait en fait que je coupe le L, que je garde que la fin pour faire le tri. Bon, en même temps, c'est pas forcément important.
Ouais. Par contre, oui, je vois effectivement qu'il met 16 secondes. Donc ça veut dire que pareil, quand vous êtes sur une page du Wiktionnaire, ben, le temps qu'il fasse la requête, ça va aussi mettre 16 secondes à s'afficher. Ça, c'est un problème. Ou l'anglais en premier. Non, parce que là, dans cette variable-là, l'anglais, je prends la langue, hein, ici, tu as raison. Mais en fait, je ne la récupère pas ici, la langue. Donc il n'a même pas été chercher la langue. Non, parce que si on voulait mettre une langue en premier, en fait, pour ceux qui savent, mais sur le Wiktionnaire, la convention, c'est que les langues sont par ordre alphabétique avec le français au début. Dalf, est-ce que c'est la Redex qui ralentit? Ça, c'est une excellente question. Si je remplace ce code-là, qui est effectivement une regex, on sait que ça peut être un peu long. Si je fais un simple filter string égal manger, et puis du coup, alors si c'est pas une regex, j'ai pas besoin de ça, puis j'ai pas besoin de deux égales. Filter string 2, il faut que je ferme la parenthèse par contre. Voilà. Et si je lance ça, combien de temps il met? Non, il a l'air de mettre un peu de temps aussi. Dès qu'on manipule des chaînes de caractères, ça met, ouais, met 11 secondes au lieu de 16. C'est peut-être juste aussi parce qu'il a commencé à indexer en interne dans le service. Le service Query a beaucoup d'optimisation dans les coulisses du système, qui fait qu'il avait peut-être gardé, c'est peut-être pour ça, juste que c'est plus court. Ceci dit, effectivement, ces deux lignes sont strictement équivalentes. Il faudrait que je vérifie pour voir s'il y a une des deux qui est fonctionnellement plus rapide que l'autre. C'est pas évident comme ça. Regex est connu pour être consommateur, mais une comparaison de chaîne de caractères, c'est aussi long aussi. Et puis le problème, c'est qu'en fait, ici, il va récupérer tous les lemmes non, pas du Wiktionnaire, tous les lemmes de Wikidata, ce qui fait beaucoup de lemmes. Il y en a plusieurs. On a passé le demi-million il y a quelques mois, donc on a peut-être bientôt, on s'approche du million. Donc ça fait beaucoup de comparaisons. Manger comparé à plus d'un million de chaînes de caractères, forcément. Le fait qu'il le fasse en 11 secondes, d'ailleurs, est bien. C'est très bien, en fait. C'est très performant, je trouve, finalement, vu ce qu'on lui demande. C'est plutôt que je lui demande un peu trop brutalement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais ajouté ici isolang. C'est parce que l'idée, c'est que je pourrais récupérer les langues ici, français, anglais, moyen français, et lui demander que de ne chercher dans ces langues correspondantes. Ça réduirait cette requête-là, au lieu d'en avoir des millions, j'aurais peut-être que, je sais pas, 100 000, 10 000, peut-être même seulement mots. Là, par exemple, si je mets VD français, j'ai pas besoin de la langue du coup. Ça met combien de temps? Ouais, voilà, là ça se fait en 776 0,7, même moins d'une seconde, 0,7 secondes, 0,7 secondes. Sauf que là, il faut que je mette pas juste français, mais il faut que je mette toutes les langues. Donc en fait, il faut que je fasse un truc qui s'appelle par exemple langue, comme ça, et après que je fasse un values de langue et que je mette un values, c'est des crochets, je crois, VD français. WD anglais par exemple, je sais que ça existe en anglais. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Anglais, moyen français. WD moyen français, comme ça. Bon, là ça met quand même 1 seconde 4. Et le problème c'est que je ne sais pas actuellement. Enfin, j'ai des personnes qui m'ont aidé, donc j'ai les briques pour, mais j'ai pas eu le temps de le mettre en place. Mais passer des titres ici, français, au code langue ici correspondant Q150. Donc du coup c'est en suspens l'optimisation là. Mais bon, vous voyez en tout cas l'idée qui est la même dans les deux cas, que ce soit Overpass ou Query Sparkle, on fait une requête externe et on demande, plutôt que de faire la requête à la main, de faire la requête par l'interface finalement pour l'afficher ici. Voilà, je sais que ça peut être très technique, donc je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Wiktionary. Ça, je vais au moins corriger le Wiktionary en code, ici. Wiktionary, hop là.
Et je vais en profiter pour enlever le order by qui ne sert à rien puisque enfin qu'il n'y a pas de logique, donc autant ne pas la mettre. Voilà. Coquille et moins code inutile. Voilà. Et du coup, je vous ai donné le lien vers le lien Lex, oui, que j'ai appelé lien Lex comme lien vers les Lexem. Hein. Et si vous voulez l'utiliser, vous pouvez faire comme on le fait ici, hein, dans votre page. Je vous mets le lien sur votre wiki. Et du coup, ça marche sur le Wiktionnaire, sur tous les Wiktionnaires en fait. Là, je l'ai activé sur le Wiktionnaire en français, mais vu que... Non, le début de l'URL là est pas explicite, donc du coup ça ne va marcher que sur le Wiktionnaire en français peut-être. Ici, là au début, il faudrait mettre http://fr.wiktionary.org pour que ça marche partout, si je me souviens bien. J'avais mis quelque part une page liée, j'avais mentionné ce gadget, voilà, ici sur projet coopération Wikidata. Gadget pour afficher, si vous voulez voir cette discussion. Donc c'est quelque chose que j'ai fait voilà en mars dernier. Mars 2020. D'ailleurs, j'avais fait une première version qui n'était pas top top et certaines personnes m'ont fait des remarques et de l'aide. Je remercie en particulièrement Darmo117, d'ailleurs au passage, qui m'a aidé pour le JavaScript. Voilà. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si je vous ai pas trop perdu quand même. Dalf nous donne un lien. Qu'est-ce qu'il nous donne? La ligne 18. Oui. Dans le code de la requête, j'ai mis le lien vers le gadget lui-même. Ça permet en fait, en le mettant en fait ici, donc ça fait en fait comme si j'avais fait ça, ici, là, voilà, ici. En fait, ça se permet au gestionnaire du service Wikidata Query Service, quand il voit passer mes requêtes, bon, vu que c'est toujours un peu le même genre de requête, ils doivent un peu se demander ce que c'est. Enfin, ils doivent pas trop se demander, justement. Ils ont une bonne idée de ce que c'est. Elle revient souvent, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on charge une page du Wiktionnaire, enfin, à chaque fois que je charge, et que tous ceux qui ont activé le gadget chargent une page du Wiktionnaire, il va faire cette requête pour vous. Donc, ça fait potentiellement des milliers, voire des millions de requêtes qui sont faites. En tout cas des centaines par jour et puis sur un mois ça fait beaucoup. Donc du coup en mettant ce petit lien au début, ça permet de mettre un contexte pour les quelques personnes qui sont en charge d'optimiser justement le query service dans les coulisses dont je parlais tout à l'heure, de permettre de savoir un peu ce qu'il en est. Ils peuvent aller sur cette page et savoir d'où vient la requête et à quoi elle sert, et donc du coup ils ont tout le contexte. Bon, le contexte qui est technique, mais en général, ceux qui s'occupent du Wikidata Query Service n'ont pas de problème avec la technique du tout, au contraire. Voilà. Bon, on me dit que c'est très limpide. Je ne sais pas si ça a été limpide pour tout le monde. Au passage, je ne connaissais pas d'ailleurs, Dalf, le fait d'ajouter un L17, par exemple. Et là, si je mets L20, par exemple, il me fait un... Waouh, il m'emmène directement à la ligne 20 avec un surlignage. C'est beau. Bonsoir Envel. T'arrives un peu à la fin de la démonstration du code, mais après, c'est pas forcément toi qui en avais le plus besoin. Mais du coup, je expliquais d'où venait ce gadget que j'avais vite fait créer avec l'aide d'autres personnes, pas tout seul, et en reprenant un code existant. Qui génère, donc du coup, comme je le disais, quand on est sur une page de Wiktionnaire, les liens vers les Lexem automatiquement à partir de la chaîne de caractères et d'une requête Wikidata Query Service. Dalf nous dit à propos d'Overpass, j'ai décoté la requête list machin. Voilà, on va regarder ce lien. Donc le widget exécute cette requête dans Overpass Turbo. Oui, tout à fait. J'ai fermé le lien tout à l'heure, mais tout à l'heure on avait un code JSON avec effectivement qui était encodé pour une URL, parce que quand on passe par des URL, on se retrouve avec un encodage un peu particulier.
Il ne connaît pas dans une URL tout ce qu'est les espaces et les retours à la ligne, typiquement. Et donc, du coup, on se retrouve avec des pourcentages 3D ou des trucs comme ça, c'est un peu plus clair. Je suis complètement d'accord. Et en fait, c'est ça, effectivement. Donc, du coup, ça, par contre, c'est le résultat spécifique pour Q39. Donc, ça, c'est le code de résultat d'Overpass Turbo qui s'affiche quand on est sur la page Q39. Si on était sur la page Q n'importe quoi, c'est ce Q n'importe quoi ici qui s'afficherait. Voilà. Et du coup, ça, c'est la requête Overpass qui nous dit que c'est en sortie, le résultat est en format JSON. Et ça sert à rien. C'est le langage de la requête d'Overpass. C'est le truc un peu par défaut. Je ne saurais même plus dire ce qu'il fait exactement parce que c'est toujours ce que je fais. Voilà, ce qui est important, c'est ici. Dire récupérer tous les nodes way et relation ou Wikidata. L'identifiant Wikidata dans votre bootstrap est égal à cet identifiant-là, justement. Merci Dalf de l'avoir partagé. C'est vrai que c'est plus clair comme ça, j'aurais dû faire ça directement. Voilà. Tant que NVLH est là ce soir et qu'on parle de code, on peut parler d'un autre type de code sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Ah, évidemment, je ne vais pas me souvenir de l'URL, mais on a bossé. Enfin, j'ai commencé par bosser sur Wikisource à faire un dictionnaire de breton, justement. Je ne vais pas le retrouver. Si je vais peut-être regarder les dernières contributions de NVL. Désolé de montrer à l'écran. Tchouk tchouk tchouk. Tchouk tchouk tchouk. Ah, voilà, il contribue beaucoup trop sur l'XM. 25. Je retrouve le lien. Attends, je suis bête. Je peux faire espace de nom. L'XM. Inverser la sélection et déjà j'aurais plus les résultats l'XM et je devrais donc là voilà j'ai plus que des éléments et voilà requête de permission de robot donc n'hésitez pas à voter et soutenir cette page voilà merci de donner le lien je l'ai trouvé en même temps c'était ça que je cherchais effectivement voilà donc effectivement il y a un livre qui s'appelle Lexique étymologique du breton moderne par Victor Henry qui est, se trouve être un linguiste alsacien à l'origine, enfin à l'origine, d'origine alsacienne, qui a été retranscrit du coup sur un. Je vais fermer tous les liens parce que je ne vais pas les réutiliser, je pense pas. Donc sur Wikisource, donc c'est un dictionnaire hein, assez classique où bah voilà, on a des mots, tout un tas de mots, où il donne voilà, le mot, la définition, l'équivalent dans d'autres langues, ce genre de choses. Et pour revenir sur les lexèmes dont on parlait tout à l'heure, en fait, tous ces lexèmes n'existent pas en breton, ou la plupart n'existent pas. Alors, si le verbe être baisant, alors là, il manque un N en breton moderne qui a été ajouté d'ailleurs, mais c'est vrai que le en se prononce souvent A, donc baisant, baisant, peu importe. Mais la plupart n'existent pas, et plutôt que de les créer à la main, ce que j'ai fait d'ailleurs un peu au début, hein, je copie-colle ça, et je dis que c'est un substantif masculin, et ça veut dire bien fait, aubaine en français. Baise. Etc., etc. C'est gentil, mais c'est long, et pareil, c'est le genre de choses qui est totalement inutile hein, de faire à la main, surtout quand on vous l'avait vu ici brièvement, mais c'est un bouquin qui fait 347 pages. Alors, en fait, le dictionnaire s'arrête à la page 277, après c'est des index. Mais bon, il y a 277 pages déjà. Je vais pas tout, il y a peut-être une vingtaine de mots minimum par page. Bon, là, il y en a un peu moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ne serait-ce que 7. J'ai pas envie, ni ce ne serait pas rationnel, ni logique de les faire tous à la main. Et donc, du coup, avec NVL, on a travaillé. Enfin, moi, j'ai fait le contenu sur Wikisource. NVL a travaillé, lui, sur toute la partie code, qui va en faire un robot d'import de l'exem. Donc, comme il le dit, pour le moment, il n'y a que 280 exem en breton. Dans ce dictionnaire, il y a à peu près 3000 mots, voilà, 3500 lexèmes, un peu plus même, 3800, je crois. Alors, il en a exclu certains parce que le code essaye de les reconnaître, et puis s'il ne les reconnaît pas, il va les passer. Voilà, il y a environ 4000 définitions, c'est ça. 4000 entrées même, je pense. Ou 4000 définitions.
Ah, il y a des entrées qui ont plusieurs définitions. Voilà, c'est le bazar du dictionnaire. Surtout que c'est, du coup, c'est du dictionnaire plein texte. Ça n'a pas été bien formaté à l'époque, forcément. Il y a quand même un certain formalisme qui fait que c'est toujours, voilà, le premier mot, c'est l'entrée en breton à créer. Ensuite, normalement, c'est toujours plus ou moins la nature grammaticale. Donc un verbe, un substantif. Pareil, je peux agrandir. Un verbe, un substantif. Mais là, vous voyez que par exemple, il y a d'astase. Et là, il n'a pas mis de nature grammaticale. C'est vrai que de toute façon, il n'y a pas forcément. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre, comment on dirait en français, interjection. En gros, c'est l'équivalent un peu breton de arrête-toi le cheval. Dastas, Dastas, voilà. Dasta, Dastas, non, le S se prononce. Tout doux, tout doux. Voilà, donc là, il ne l'a pas mis. Et du coup, il y a plusieurs mots comme ça où du coup, il a fallu analyser. Où, du coup, moi, j'ai expliqué avec Envel comment ça fonctionnait un peu, à la fois le breton et comment fonctionnait le formalisme de ce dictionnaire. Et après, lui, il l'a traduit en code. Alors, le code, je ne sais pas. Non, tu l'as pas mis encore. Will be published. Mais bientôt, bientôt. Suivez cette page. Bientôt, vous aurez plus d'informations ici. Voilà. Mais du coup, le fonctionnement, même si le code n'est pas publié, l'algorithme, le processus, le procédé de fonctionnement est indiqué ici. Donc, par itération, il va parcourir le dictionnaire on a parcouru d'ailleurs au passé le dictionnaire sur Wikisource. C'est en cours. Et donc, j'ai fait des revues parce qu'en fait, du coup, ce qu'il a fait au tout début m'a permis d'améliorer le texte parce qu'il m'a dit, hey, là, par exemple, il manque, c'est pas la même forme que celle qu'on a d'habitude. Est-ce que c'est normal? Et donc du coup moi ça a permis de regarder, il y a plein de endroits, alors, d'astase tout doux, c'est entre guillemets normal, en tout cas c'est comme ça dans le livre, qu'il n'a pas dit que c'était une interjection, une onomatopée, c'est quelque chose entre les deux en plus, c'est même pas clair. Donc ça m'a permis, en première, c'est pour ça qu'on parle d'itération, c'est qu'on est revenu plusieurs fois sur le texte, avant même d'utiliser le texte, on a commencé par améliorer le texte. Et vu que moi je parle breton et j'ai des bonnes connaissances de la lexicographie sur Wikidata, j'ai pu l'aider aussi. Notamment, ici, à chaque fois, verbe, substantif masculin, c'est mis sous forme d'abréviation. Il a fallu qu'on le traduise en éléments Wikidata, en où ça allait exactement, pour faire l'alignement. Voilà. Matching with existing data in Wikidata, donc correspondance. Alignement avec les données dans Wikidata. Les lexèmes qui existent déjà dans Wikidata ne seront ni importés ni mis à jour. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Ni mis à jour du son. Mine de rien, ce dictionnaire, aussi intéressant soit-il par son exhaustivité, il y a quand même 4000 mots. En fait, il est très, très succinct. Vous voyez, on voit qu'une définition ici, on prend quelques lignes. Das Prena, verbe, ça veut dire racheter, délivrer, et voir sous Das et Prena. Il apprend à découper le mot en deux, et puis c'est pas plus loin. Merci, ça va pas très loin. Mais ça nous informe quand même que le mot existe, que c'est un verbe, et ce qu'il veut dire. Donc au moins ça, on le récupère facilement. Ça, on n'en fait rien pour l'instant, je crois. Envel pourra me corriger si on le met en glose pour former un sens. Ça nous a été fait la remarque, je suis pas persuadé à mon avis, j'aurais aussi vite de le faire à la main après. Surtout que là, pour passer de Ama, d'Aspune, il le traduit par Ama en plus. Je cherche une phrase en breton qui utilise le mot d'Aspune. Ouais, Ama, un tas. Pour l'instant, les glosses, c'est un peu compliqué, il y a plein d'exceptions. Ouais, bah ouais. Donc, à mon avis, on va rester sur mon idée que j'ai expliquée d'ailleurs, c'était sur le chat Telegram des Lexem, où j'ai dit non, mais je vais le faire à la main, ça sera plus rapide hein, que de faire un code qui sera pas forcément performant en plus. Voilà, importer des nouveaux Lexem, et notamment, il va faire voilà, le lemme, le langage, la catégorie lexicale, la nature, comme grammaticale, comme on dit en français. Ça, c'est trois trucs qui sont absolument obligatoires. Pour créer un lexème, il n'y a pas le choix, ça c'est le minimum minimum. Ensuite, décrire par le livre. Donc là, par exemple, il y a un exemple, le mot piou en breton, qui d'ailleurs en breton moderne s'écrit piou, mais qui avance, enfin, en d'autres orthographes s'écrit piou au U, un peu à la française, ou piou avec un W, plutôt à la galloise d'ailleurs.
utiliser un W pour le OU. Et du coup, décrit par, on sait que ça vient de cet ouvrage, ça, il n'y a pas de problème. Et on peut dire de quelle page il vient. Donc ça, c'est le minimum, minimum, il va faire ça. L'entrée ici, la langue breton, il faut que le code langue soit créé, oui. Pour le breton, j'ai pas de problème, le code langue a été créé. En plus, on va prendre BR tout court. S'il faut que je fasse des précisions de quel breton il s'agit, pareil, je le ferai à la main plus tard. Que c'est un outil interrogatif, décrit pas. Sens, du coup, on va le passer, malheureusement. Mais en même temps, même là, à la main, j'ai pas pu en faire un... Pew, ça veut dire qui. Donc là, j'ai mis Pew, Pesser, Den, quelle personne. Ça veut pas dire grand-chose. Mais les formes, là, il va pouvoir en mettre quelques-unes. On avait un exemple ici de verbe, et oui. Ah oui, d'avei, c'est un verbe, mais effectivement, d'habitude, normalement, on a juste le mot et sa nature grammaticale, mais de temps en temps, on a une précision de variété de dialecte, en fait. Donc, V, c'est pour vente. D'ailleurs, vous verrez que c'est, si vous parcourez ce livre hein, pour vous amuser, vous verrez que 9 fois sur 10, la précision, en fait, c'est vente, parce que c'est le dialecte vente qui s'éloigne un peu plus du standard, on va dire. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais résumer ça comme ça. Je ne vais pas vous faire un cours de que breton. Voilà, ça répond du coup à la question du V pour Vante et VV. D'ailleurs, ce dictionnaire est quand même pas mal fait, parce que si vous allez tout au début, il y a une page qui s'appelle Instructions pour l'usage du lexique, où il vous donne toutes les explications, les lettres de l'alphabet, donc l'ABK, et pas l'ABC en breton, parce qu'il n'y a pas la lettre C en breton. Le fait qu'il utilise 2-3 caractères un peu particuliers, et voilà, les majuscules entre parenthèses désignent les 4 dialectes du breton moderne. Donc Cornouaillais, Léonard, Trégorois, Vanté. Ça, c'est bien fait. Et la liste des adjectifs, des abréviations, donc adj pour adjectif, etc., etc. Alors il y a une ou deux abréviations, je crois, qui sont un peu stupides, où il y a deux trucs qui veulent dire la même chose. Ouais, voilà, V point, ça veut aussi dire voir. Donc ça peut être voir ou vanté en fonction. Mais en fait, si c'est vanté, si c'est, ouais, il y en a un ici, voir, vous voyez. Si c'est vanté, c'est toujours entre parenthèses après le mot. Et si c'est voir, c'est toujours en fait presque à la fin une définition voir plus. K doit pas être simple. Maintenant, ça doit pas être simple. On va écrire avec un, on l'écrira avec un S en breton du coup. Pourquoi s'emmerder avec un CCD ou un C quand la lettre S fait bien le boulot? C'est ça un peu la logique du breton qui fait qu'il n'y a pas de C. Et en plus, il n'y a pas de C tout seul comme lettre en breton, mais par contre, on a la lettre CH et C'H qui sont une lettre à part entière. Donc, avoir un C tout seul serait confusionnant. Donc, ils ont décidé de ne pas mettre de C du tout. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, il utilise cet ordre alphabétique ancien ici, alors que l'ordre alphabétique moderne, c'est A, B, CH, RE. Donc, parce que le CH, c'est CH. Et le C apostrophe H, ça se prononce RE, comme un retard espagnol. A, B, C, R, D, E, F, G, K, H. Après, l'ordre est un peu plus logique. Peu importe. Je dérive complètement. On ne va pas faire un cours de breton ce soir. Toujours est-il que voilà. Et donc les variantes et les variétés de formes. Donc, ça va permettre de créer automatiquement plus ou moins 3500, 4000 lexem que après je vais passer beaucoup de temps à relire et à améliorer, mais ça sera quand même beaucoup moins de temps que tout ce que j'aurais fait à la main. Donc voilà, comme tout à l'heure on utilisait un gadget pour faire quelque chose automatiquement plutôt que de le faire à la main, là on va sous-traiter une grande partie du travail pour le faire automatiquement. Et il y a déjà Pimousse, comparse bretonnant, qui a dit cela semble être très utile pour développer le nombre de bretons, de mots en breton dans Wikidata, et en tant que locuteur du breton, il pourra aider à relire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, j'avais pas prévu d'en parler, mais bon, c'était l'occasion. J'espère que ça se fera dans les mois à venir. Il faut que je finisse de relire le dictionnaire, il faut que NVL travaille effectivement à publier le code, ce genre de choses, mais... dans quelques semaines, mois, je pense que on pourra en reparler, peut-être montrer, faire des choses. Je pourrais faire des requêtes du coup sur les mots en breton. Et arrêter d'avoir que des mots qui commencent par la lettre A, parce qu'actuellement j'ai fait énormément de mots qui commencent par la lettre A en breton, parce que j'ai commencé par le début de l'alphabet en tant que bon être humain.
Alors que là, le robot, il va faire tout l'alphabet, tout le bouquin, sans discrimination, sans biais et sans se fatiguer en plus. Comment tu codes les variantes? Alors, Pew, c'est pas un bon exemple de variante. Est-ce que j'ai un exemple de variante? J'ai un exemple de variante, à mon avis, en occitan, donc abadiao, qui veut dire abbaye. Non, pas abadia en basque, abadia en. Peut-être qu'en basque ça existe aussi. Abadi. Abada. Zut, comment ils ont fait en basque, en occitan. Bon, tant pis, on va peut-être le voir ici. Ils ont pas mis de variété. Ah non, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher la propriété variété. Ben voilà, merci. Nvel de m'avoir donné, je l'ai trouvé en même temps, variété de la forme. C'est ça qui sert à indiquer, voilà, propriété optionnelle pour lier une forme à un dialecte ou une variété orthographique ou phonétique. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle variété et pas dialecte. C'est que c'est pas forcément que le dialecte, ça peut être aussi des variations qui sont d'ordre orthographique ou phonétique. D'ailleurs, typiquement ici. Dans Pew, c'est que je suis. Actuellement, j'ai indiqué les variations ici en disant que c'est l'orthographe ça. En fait, je pourrais faire ajouter une déclaration variété de la forme et mettre ça, Scolvuriec, l'orthographe universitaire. Est-ce que ça, il est content? Oui, en fait, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Qui est mieux? Variété de la forme. Pouf. Et donc, ça, c'est un peu étreindre en diesel. Ok. Voilà. Bon, après, pour quelqu'un qui connaît pas le breton, savoir que c'est en Skolvoriek ou en Étréhère en Niézel, ça va pas beaucoup vous aider. Mais ces deux types d'écriture, c'est un peu l'équivalent de l'orthographe de 90 ou l'orthographe avant 90 en français. Peu importe. Donc voilà comment ça s'utilise dans une forme en déclaration de la forme, parce que c'est spécifique à une forme. C'est pour ça qu'il y en a qui voudraient mettre les plusieurs formes ensemble, là. Mais là, j'ai des déclarations qui sont spécifiques. Je sais que c'est en anglais, center. Ils ont fait un center comme ça. Et si on descend, ils ont mis voilà center, 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 centers au pluriel, le prétérit et maintenant center, center. Ça a l'avantage d'être plus compact et plus facile sur certains aspects de mettre tout ensemble, partie passée au moins voilà, on met qu'une fois que c'est partie passée. Sauf que si je veux mettre une déclaration qui est propre à une seule des deux variantes de la forme, bah, je suis coincé parce que si j'ajoute ici, ça laisse les deux. Ça devient quand même plus lisible que QQX. Oui, complètement. C'est ça au moins l'avantage ici d'avoir mis la forme, c'est que QXX, ça vous parle pas. Étréhère en niézel, d'ailleurs, étréhère en niézel, pourquoi? Qui a fait ça en France? C'est en alias interdialectal? J'aurais interdialectal, j'aurais mis ici. C'est moi qui ai fait ça d'ailleurs. Mais je suis plus d'accord avec moi-même du passé. Donc on va le mettre ici, interdialectal. Et étréhère en niézel, je vais le mettre ici plutôt. Déjà, je pense que plutôt que d'avoir l'étréhère en niézel, interdialectal, ça va vous parler un peu plus. Et pareil pour Skolvoriek. Pourquoi j'ai mis à chaque fois, j'ai fait du militantisme breton universitaire, ça va être plus parlant. Voilà. Non, on va mettre orthographe universitaire quand même, parce que universitaire tout court, les gens pourraient confondre avec l'universitaire la personne. Pareil ici, orthographe interdialectale. Et par contre, interdialectale tout court. Oui, mais effectivement. Oui, bah c'est en voyant ce qu'a fait Mahir sur l'anglais, et vu que Mahir est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein, qui est souvent très pertinent, interdialectal breton orthographique. Alors ça fait un peu beaucoup, breton, à mon avis, c'est évident. En plus, il n'y a pas 50 langues qui ont une orthographe interdialectale, je pense, ou orthographe universitaire. D'ailleurs, à la limite, on peut vérifier. Non, il n'y a que, voilà, il n'y a que le breton.
Mais vu que c'est en description, orthographe du breton, ça me suffit. Donc du coup ici, voilà, si je recharge cette page-là, maintenant on aura, s'il veut mettre à jour, il est lui cassé, quand ordinateur cassé, pas content, il veut plus mettre à jour. Historique, puis on va faire une purge, une vraie purge complète de la page. Confirmer. Voilà, donc là c'est écrit, voilà, plutôt que le QQX ou plutôt que Skolveriek qui va pas vous parler, orthographe universitaire sera beaucoup plus parlant. Voilà comment on améliore en même temps Wikidata. Oui, mais le terme interdialectal ne dit pas que c'est du breton aux Américains. Non, mais en même temps, quand tu utilises le terme américain, tu dis pas explicitement américain des États-Unis. Ça met par opposition à américain de Canada, Mexique ou toute l'Amérique du Sud ou centrale. Souvent, on utilise quand même en libellé une forme qui est relativement courante. On ne donne pas la précision. Et de toute façon, vu qu'ici dans le contexte, on est dans un mot breton avec une forme en breton, j'estime que c'est déjà un peu suffisamment implicite. Si tu t'es retrouvé sur ce lexème, tu as des bons indices et d'autres moyens de savoir que c'est du breton. Donc j'ai pas envie de mettre orthographie interdialectale du breton. En plus du breton, des bretons. Le problème c'est que plus on allonge du texte, plus il peut y avoir des variations. C'est peut-être pour ça que j'ai pris le mot en breton au départ en français, c'est que c'était peut-être plus simple. C'était par facilité, par flemme. Voilà. On discutait du problème avec le Lorrain. Oui, je sais qu'il y a un Pozlovitz qui travaille sur le Lorrain. Je sais pas à quoi ça ressemble, s'il a un peu avancé à Brepin. Je ne trouve pas les mots aujourd'hui que je veux. Attends, on va chercher Lorrain. Lorrain, la langue. Ensemble de dialectes. Page liée. Lexème. Voilà, donc il y en a que 3 et Abrépine, pas Abrépin. Voilà. Pareil, il repart d'un dictionnaire qui est sur Wikisource d'ailleurs. Il a mis un... Par contre, il a bien avancé. Il a mis un... Ça doit faire un certain temps d'ailleurs, c'est juste moi qui suis pas au courant. Mais voilà, il a mis aussi variété de la forme, zone linguistique du patois de Saunois. Ce qui, quand on sait pas où est le Saunois, nous aide pas beaucoup non plus. Hein. Oui, mais non plus, pour des gens qui connaissent pas du tout le breton, le terme indialectal veut juste dire que c'est partagé entre les dialectes. Oui. Oui, mais pour quelqu'un qui connaît pas le breton du tout, touchez pas au lexème en breton, c'est une horreur. Donc voilà. Sans blague, le breton, j'ai pas montré tout à l'heure, juste pour rire, pour finir là-dessus. Mais voilà, par exemple, qui a une forme non mutée, KI. Mais pour dire mon chien, c'est Marie, c'est apostrophe H, avec un C apostrophe H qui prononce R d'ailleurs. Et quand je veux dire ton chien, c'est Dagi, G-I. Et quand je passe au pluriel, ça devient chasse ou conne, selon le contexte. Conne, c'est plutôt littéraire. Chasse, c'est le mot courant. Et donc chasse, quel que soit là, pour le coup, ça reste chasse, chasse, da chasse, ton, tes chiens, ma chasse, mes chiens, ça reste chasse. Donc il n'y a aucune logique de prime abord à l'extérieur. Et pourquoi chasse ou conne? Voilà. Quelqu'un qui voudrait parler breton sans avoir les bases de breton serait de toute façon perdu dans cette langue. Voilà. Et on dérive encore totalement sur le breton. Côté militantisme du breton aime ça, mais on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à regarder si vous vous intéressez au code ou au lexème, ou même juste mettre votre support sur cette page, ça sera apprécié. Si vous vous intéressez au lexème, à vérifier les lexèmes après aussi, ça peut nous aider. Puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, de toute façon. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Tu pars à la chasse avec ta chasse. Eh ben en fait, tu rigoles, peut-être. Ou peut-être que tu le sais, mais le mot chasse en breton vient exactement de chasse.
C'est parce qu'en fait, une chasse en français ancien en tout cas, c'était une meute de chasse. Donc c'était un groupe de chiens. Donc en breton, c'est normal qu'ils aient pris le groupe de chiens comme le pluriel du mot breton. Mais du coup, ils ont volé le mot en français au pluriel pour le pluriel breton. Ce qui est un truc un peu bizarre. Ça s'appelle une supplétion. Ça ne se fait pas beaucoup en français, mais ça le fait beaucoup en français. En breton. C'est très courant qu'on prenne d'autres mots pour compléter, suppléer un mot. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas s'il y a encore quelques dernières questions. Oui, ah zut, j'ai fermé la fenêtre, mais Envel vous a partagé le lien dans le chat. N'hésitez pas à le regarder. Je le remettrai quand je mettrai la vidéo sur YouTube. Je suis en retard, mais je vais finir par les mettre toutes mes vidéos sur YouTube. Il a mis sur les Lexem, il a mis ce petit outil pour créer les mots. Puis pour comparer les mots d'une langue. Alors, je vais remettre quand même l'écran, je peux faire ça. Il va vouloir. Oui, ça repasse à l'écran. Donc voilà. Là, on a tout un tas de concepts choisis chaque semaine, choisis avec soin pour être un peu intelligent. Donc là, chaque semaine, ça change en plus pour renouveler. Puis bien, une fois que c'est fait, on peut en faire un nouveau. Donc là, par exemple, c'est les saisons cette semaine. Et donc, il met les saisons dans différentes langues. Donc, le mot saison en lui-même, le mot. D'ailleurs, je peux passer en français. Pourquoi il n'a pas détecté automatiquement que je suis en français? Il le fait d'habitude, français. Change. Voilà. Donc, saison, printemps, été, automne, hiver, les quatre saisons, l'équinoxe et le solstice. Bon, voilà, six mots, sept mots. Facile à faire. C'est une liste qui n'est pas très longue. Et ça permet de voir dans chaque langue à quel point on est avancé ou pas. Donc là, on voit que par exemple en français, on a les 6 mots, 6 sur 6, médaille d'or. En anglais aussi, on a tous les mots. On voit d'ailleurs qu'il y a un truc chelou là. Pourquoi il y a deux résultats? Il ne devrait pas. Saison de l'année. Saison. Ah non, c'est logique. C'est le verbe et le nom. C'est ça, c'était un nom. C'est ça, le verbe et le nom. Donc tout va bien. Mais ça me permet tout de suite, avec son outil, de voir, tiens, il y en a deux identiques en plus. C'est un peu étrange. Donc là, par exemple, summer, est-ce que c'est la même chose? Summer, le nom. Summer, le verbe. Ouh! Alors c'est un peu étrange que summer soit un verbe en breton. To summer, I summer. Décrit par Word Data, ce qui ne me dit pas grand-chose parce que Word Data contient tout et rien. Mais ouais, summer, 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 summering, summer. Ok. Si je fais une recherche Google juste pour rire, summer, ça... En contexte, par exemple, qu'est-ce que ça donne des phrases avec summer? Jamais utilisé, je découvre des choses. On peut pas refuser. Bon, bah, on va accepter, hein, tant pis. Virer ça aussi. Where the family summered, où la famille passait ses étés. Ok, donc en fait c'est passer l'été, passer ses étés. Oh. Et ben voilà, on apprend des choses grâce à ce petit outil. Voilà. Et l'objectif, c'est que si vous créez des nouveaux mots, ils s'afficheront au fur et à mesure. Il y a du sparkle derrière. Je te laisse compléter, corriger éventuellement dans le chat, Enuel. Mais effectivement, c'est un super outil, puis ça permet de voir comment ça avance. Il faudrait que j'ajoute le breton, mais en fait, en ce moment, j'ai un peu la flemme d'ajouter le breton, sachant que, par exemple, là, tous ces mots-là, au moins les quatre saisons, c'est sûr, ils sont dans le dictionnaire, donc ils seront ajoutés automatiquement bientôt. Je pourrais les faire à la main, mais parce que le robot les détectera, donc normalement, il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà. Étant occupé en plus par ailleurs, je ne mets pas le breton. Mais voilà, mais en tout cas, ça permet aussi de montrer que bah, les Lexem sont quand même pas mal avancés. On voit qu'il y a tout un tas de langues là, 28 langages, dont deux qu'ont les 7 mots dans toutes les langues, enfin tous les mots qui sont décrits, trois qu'ont presque tous les mots, où il en manque qu'un, un ou deux, un. Et après, s'il en manque plus d'un, médaille de bronze, plus de 50% des mots, plus de 80% des mots. Plus de 100% des mots, ouais, c'est ça. Donc 80% de 8, 8 x 8, 16, machin, je ne sais plus.
Mais voilà. Et puis il y en a 11 qui ont encore moins de mots. Par exemple, le slovaque, on n'a que 3. Moins de 50%. Et puis on peut montrer, voilà, par exemple, ceux qui ont été le plus améliorés pendant la durée du challenge. Donc par exemple, là, le chinois mandarin, il y en a eu plus un de créé. Donc c'est cool. Si vous créez des mots en direct, en français, il y a tout, on a dit. Français, français. Mais. Non, en français, je cherchais un de ces mots qui pourrait être recréé avec une variante. C'est pas le cas. En breton, par contre, c'est le cas. Hey, pourquoi le breton? Wikidata. Bon, alors, on y retourne. J'ai mis l'automne en breton, non? J'ai mis d'ailleurs une forme qui n'est pas la forme normale, qui est une variante plus rare, d'Ibeneost. Qui veut littéralement dire la fin de la fin août, fin moisson. Et host, c'est autant août que la moisson. Eh ben oui, eh ben oui, j'ai pas ajouté le sens. Freux, saison de l'automne. J'ai la flemme de le mettre en breton, en machin. Voilà. Élément pour ce sens. Ce sens. Automne. Automne. Et d'ailleurs, on va cliquer là pour voir si c'est mis automne. Et donc là, ouais, c'est voilà, la forme la plus courante, 10 car 11. Donc, ce qui veut dire, ceci dit, la chute des temps, du temps, un peu la fin des temps. C'est l'automne en Bretagne, c'est la fin du monde. Voilà, mais pour une raison que j'ai pas totalement élucidée, moi j'utilise Debeneost en breton. Qui est une forme sans doute littéraire ancienne, mais que j'ai appris comme ça, donc j'utilise cette variante-là en breton. Voilà, donc ça je savais que je l'avais fait celui-là. Et en plus du coup j'ai décrit un peu le mot. Voilà, alors je crois pas qu'il soit mis à jour en temps réel. Si je force la mise à jour, faudrait que je revienne dans 5-10 minutes, tant pis. Ouais, non, le breton apparaît pas. Dommage. Mais dans quelques minutes ou heures au maximum, je crois, il est mis à jour, ou une fois par jour maximum, pareil. Corrige dans le chat si tu veux, Envel. Du coup, je verrai que voilà, le breton apparaîtra dans ma liste et je verrai plus un. Ouh! Donc là, il y aura plus un aussi à la barre en bas, hein, breton plus un. Voilà. Cette fois-ci, 19h14, je vais vraiment m'arrêter si en plus je veux manger avant le prochain. Le prochain Twitch de Alios, normalement ce soir à 20h. Oui, d'où le thème de la semaine, ok. Ah oui, c'est parce que j'ai fait le quiz sur l'automne en breton l'autre jour, c'est ça, exactement. Il y a au moins trois variantes pour dire breton. J'étais curieux de savoir combien de personnes utilisaient la même que moi, et il s'avère qu'on est moins de 5%. Donc voilà. Envel a dit que le tableau était mis à jour une fois par heure, donc c'est bien ce que je pensais. On verra tout à l'heure. Voilà. Bon appétit, merci, merci pour le direct. Bah, merci à tous, toutes les personnes présentes. Merci Louzona pour mettre le lien de Alios qui est donc du coup à 21h, pas 20h. On a le temps, tant mieux. Et il me reste à vous dire à la semaine prochaine, mardi 18h. En fait, j'arrive à sortir du boulot pour être à 18h. Je m'organise, ça passe. Donc, je pense que je continuerai jusqu'à ce que j'en ai marre. Mais pour l'instant, ça fait 1 an et demi que je le fais. Donc, je pense que je continuerai encore longtemps. Ah, et Alios, qui est présent dans le chat, nous corrige. Donc, c'est pas 21h, c'est bien 20h, comme je disais. Donc, voilà. Bonne soirée tout le monde. Rendez-vous peut-être tout à l'heure sur la chaîne d'Alios. Rendez-vous mardi prochain pour ceux qui veulent. Et d'ici là, du laçon sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Telegram, Discord, Pigeon Voyageur, comme vous voulez. Ciao et à la prochaine.